Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour à tous, bienvenue pour ces impressions de Star Wars Battlefront VR. Donc, qui n'est pas forcément un jeu, en fait, c'est plus une expérience. On l'a testé évidemment sur le PlayStation VR, puisque c'est uniquement sur ce support. Alors, la première chose qui m'a impressionné, c'est que vraiment on a l'impression d'y être. Et en plus de ça, le PlayStation VR a réussi le pari de nous rendre un rendu en réalité virtuelle qui n'est pas dégueulasse. Oui, je sais, le mot est fort, mais pour avoir testé pas mal de jeux sous HTC récemment, on avait cette grille un peu devant le visage. Là, pour le coup, on l'a pratiquement pas. Ils ont presque réussi à la faire disparaître. Et le plus gros meuf, c'est qu'on a, en plus de ça, on est dans l'univers Star Wars. En fait, on se retrouve dans le cockpit d'un X-Wing. On choisit d'abord si on un pilote femme ou un pilote homme. Ensuite, on doit suivre un coéquipier. On se retrouve dans l'espace à faire un son hyperespace. Enfin bref, c'est magnifique. Et évidemment, on se fait attaquer par un convoi impérial. Et on doit protéger une corvette corallienne. Donc pour ceux qui... La corvette corallienne, c'est le gros vaisseau qu'on voit dans Le Nouvel Espoir, le vaisseau de la princesse Leia. Donc on doit protéger ce vaisseau-là avec notre petit X-Wing. Et à la fin, on a un immense destroyer stellaire qui arrive au-dessus de nous. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Quand on tourne la tête, que ce soit droite, à gauche, en haut, en bas, on voit tout le cockpit qui est fidèlement modélisé comme dans les films. On a derrière les coéquipiers, enfin les pilotes rebelles qui nous parlent. On a vraiment la sensation d'y être, et comme je vous dis, ça pète de partout. Il y a la musique en fond de Star Wars, ça la marche, et vous avez la marche impériale qui se déclenche quand il y a le destroyer stellaire qui passe juste au-dessus de nous. Et c'est la première fois de ma vie en fait que je peux vivre une expérience Star Wars aussi intense, à tel point que j'en avais des sueurs et des frissons pendant toute l'expérience. Voilà. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, que ce soit pour cette expérience en réalité virtuelle ou pour d'autres jeux, utilisez le hashtag GCGameblog. On sera ravis de vous répondre. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine, et je vais retourner dans mon X-Wing.